Mais c'est incroyable, mais attends, mais wesh. Attends, mais je suis choquée. Je vais me marier. Mais comment c'est possible? Attends, mais quoi? Vous l'avez très bien compris, Chocolat and Prank est de retour. Aujourd'hui, je ne suis pas enceinte. Non. Aujourd'hui, je vais me marier. Je suis ravagée en fait. Vous l'avez sûrement vu, il y a 2-3 mois maintenant, j'avais fait un prank où j'avais fait croire à mon manager, à ma mère, à Unchained que j'étais tombée enceinte. Et aujourd'hui, rebelote, je vais faire croire à ma mère, à ma stagiaire Cossie et un de mes meilleurs potes des réseaux Gizmo que je vais me marier. Et pour être honnête, je pense qu'ils vont me croire. Je sais pas pourquoi, c'est sûr ça va marcher. Je vais me marier déjà à 18 ans. J'ai déjà trouvé l'homme de ma vie, ça y est, je ne suis plus célibataire. Alors là, il va y avoir des clips TikTok. Oh my god, Choco est en couple? Et bah, je ne vais pas vous dire oui ou je vais pas vous dire non. Je laisse libre à votre imagination. Ça se trouve que je suis en couple. Ça se trouve que pas du tout. Bref, avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification. On est 1 million, ça fait trop plaisir. Merci, vous êtes les boss. Si vous voulez d'autres pranks dans ce style-là, n'hésitez pas à lâcher votre plus joli pouce vers le haut. Vous êtes les boss, vous raflez tout en ce moment. Je vois, il y a 70 000 pouces bleus, 80 000 pouces bleus. Vous êtes trop fort, trop fort. Bref, on parle beaucoup. C'est parti, on commence le prank. J'ai hâte que la vidéo débute. Vous avez tous à mettre des emojis qui rigolent dans les commentaires là maintenant. Là maintenant. J'ai dit maintenant, mettez un commentaire qui rigole maintenant. Voilà un petit smiley qui rigole. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. On va faire tout un truc. Avant que la vidéo débute, on fait quoi, Choco? On fait quoi, Choco? Voilà, Choco, balance la pub! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat and Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite. C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Recoucou, vous, comment ça va? Bon, moi ça fait quelques jours, mais vous, ça fait même pas quelques secondes. Je suis dans mon studio, c'est au tour de Cossie qu'on va pranker. Vous la connaissez sûrement, elle était venue lors de son stage de seconde pour voir un petit peu comment je travaillais. Et Cossie, il faut savoir que c'est aussi une youtubeuse. Je vais lui faire croire que je me suis fiancée. Ça fait depuis que je suis au collège, que je suis en couple avec, et que c'est bon, c'est officiel. Évidemment, toutes les histoires que je suis en train de dire depuis le début de cette vidéo sont fausses. J'invente toutes les histoires et je vais l'appeler. Je lui ai envoyé hier à 15h. Coucou Cossie, ça va? Je dois t'annoncer quelque chose et je lui ai aussi dit. Hello Cossie, comment tu vas? Du coup, je voulais te dire que pour tout à l'heure, là, vers 20h, si ce serait possible que tu filmes ta réaction, parce que ce sera pour une vidéo où je vais t'annoncer quelque chose. Ah! Et elle m'a dit, oh my god, ok, pas de soucis, avec un emoji en mode... Le problème, c'est que je vous rappelle que Cossie est une youtubeuse. Ça veut dire qu'elle connaît un petit peu, le vice des youtubeurs. Et si forcément je lui dis de lancer sa caméra, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Elle va peut-être croire que c'est un prank. Donc il va falloir que je sois la plus forte en mensonge possible. Je vais vraiment mentir. Allez, c'est parti, je l'appelle. J'ai trop peur. Ah! Allô? Ça va? Ça va et toi? Mais ça va, là j'ai peur. T'arrivais pile en plus quand je parlais à la caméra parce que je suis en train de filmer là. Mais oui, mais regarde, moi aussi là j'ai tout lancé. Mais je stresse là. Non, ne stresse pas, en vrai c'est pas par rapport à toi en tout cas. En gros, je vous... C'est pour... Ah, je bégaye, je bégaye. Quand je stresse, je bégaye. Vas-y, je sais pas là. Analyse ma tête. Y'a pas un truc à changer sur ma tête? Non. Mais qu'est-ce qu'il y a changé? T'es mariée? Je vais me fiancer. Enfin, là, je suis officiellement fiancée, mais je vais me marier. C'est vrai? Oui. Mais c'est pas possible. Vraiment? Bah, si je te l'annonce comme ça, c'est que oui. Mais c'est incroyable, mais attends, mais wesh. Regarde, elle est pas trop belle. Mais si, mais tu le dis aux abonnés comme ça? Oui, je leur annonce en gros dans une vidéo où genre, j'appelle toutes les personnes qui sont proches de moi pour leur annoncer, du coup, que je vais me fiancer. Attends, mais je suis choquée. J'ai des doutes encore, mais c'est... t'as déjà fait des pranks, je suis enceinte. Oh oui, non, mais là, tu vois pas qu'il y a pas un ventre, genre, tu vois bien que c'est genre... Oui, c'est vrai. Il y a une bague. Allez, choquée. Bon, en gros, je t'explique. Ça fait genre, je pense, depuis 5-6 ans qu'on est ensemble. Attends, mais t'as quel âge, là? J'ai 18 ans. Bah oui, mais attends, 5-6 ans, 13 ans, 12-13 ans. C'est vrai? Ouais, ça fait depuis le collège qu'on est ensemble. Bah, il y a eu des hauts et des bas. Bah, du coup, maintenant que j'ai 18 ans, on s'est dit autant se marier jeune! C'est incroyable. Ça veut dire là, il t'a fait l'annonce. Ouais, il m'a fait l'annonce. On est allé aux Caraïbes. Et tu le filmes comme ça et tu dis aux abonnés, direct. C'est vrai ou pas? C'est clairement fou! Ah, mais voilà! On allait aux Caraïbes, il m'a offert une bague et tout, mais tu as cru? Mais moyen, en fait de base, je voulais pas dire non, c'est sûr à 100% c'est un prank, parce qu'imagine c'était vrai, tu l'aurais mal pris. Bah c'est complètement faux, je suis célibataire. Non mais là je m'y attendais pas, oui. Mais y a pas à faire des pranks comme ça par contre. Oh mon dieu, je vais pranker ma mère hein. Non. Je vais la pranker. Mais elle va péter un câble. Eh, ça va être trop drôle. Et tu vas te marier quand du coup? Bah, faudrait que je trouve quelqu'un quoi aussi.
Après, quand même, c'est un peu cramé. Faut que tu t'améliores dans le... Dans le mensonge. Ouais, voilà. Faut d'abord que tu dises, ouais, j'ai rencontré un mec et tout. Il veut faire les choses bien. Ça, c'est pas con. Ok, mais t'es plus forte en mensonge que moi, en fait. Bah carré, merci Kwasi de ta gentillesse et c'était trop drôle. Bah bonne chance hein. Bon bah vas-y, bisous Kwasi. Bisous. Ciao ciao. Bon, c'est parti, on va pranker quelqu'un d'autre. Let's go. En gros, je suis avec Camille, qui est la copine de Lucas, donc de Gizmo, mon bête de pote. Je vais faire croire que je vais me marier. Oh putain, j'ai trop chaud. On va prendre un Airbnb et quand on sera posé dans le Airbnb pour faire le tournage de vidéo où genre je teste tous les objets d'été. Genre je vais lui inventer un bibo. Je veux dire, bah c'est officiel, ça fait un moment qu'on est ensemble. Mets tes pouces bleus. Let's go. Attends, viens, on va s'asseoir. La dernière fois que j'ai eu une conversation comme ça avec quelqu'un, c'était super hoche. Oh, je ne comprends pas. Ça va? J'ai un peu peur, je sais pas ce qu'on c'est quoi. Non, tranquille, tranquille. Tu vois comment annoncer ça? T'es ensemble? Non, je suis pas ensemble. En gros, est-ce que t'as pas remarqué quelque chose sur moi ces derniers temps, genre? Non. T'as pas remarqué un truc? Ça va? T'es okay. Marqué. Hein? Non. Non. Mais non. T'as pas remarqué? Aujourd'hui, toute la journée, je l'avais et t'as pas remarqué. Je vais me marier. Mais comment c'est possible? Attends, mais quoi? Du coup, bah, mes parents, ils m'ont appris. Et ils ont dit, bah, c'est deux possibilités. Soit t'arrêtes tout, ou soit, bah, vous vous engagez dans une relation. Mais genre, vous... Mais what? Attends. C'est chaud, la c'est chaud, chelou, je sais pas, c'est chaud quoi. Mais t'es que là, tout le monde va être choqué. Bah, voilà. Tu t'es embarqué dans un truc là. Ah ouais, dans un vrai traquenard, tu penses? Non, pas un traquenard, mais tu t'es embarqué dans un truc quoi. Oh ouais, bah félicitations du coup. Merci. Mais wesh, mais attends, en fait, je suis choqué de fou en fait. C'est vrai, il est choqué pour de vrai. Oui, attends, y'a. Non, y'a un truc qui est pas cohérent. Quoi? Ah mais vraiment, si tu veux, là, carrément, je l'appelle, j'appelle ma mère. Félicitations. Bon, bah maintenant que la vidéo elle est finie, t'es pas quoi. Moi, je trouve ça maxi précipité de zinzin. Ouais. C'est un putain de pro. C'est mon meilleur fois comme pro. J'arrive à le tenir aussi longtemps et que tiens, il marche. Mais en même temps, t'as géré, hein. En fait, y'a un truc que je me suis dit, c'est que t'es trop en mode fuck ce qu'ils pensent mes parents. Bah oui, parce que genre, dans l'histoire, c'est lui, genre mes parents m'ont obligé. Mais c'est ça. Et donc, bah pardon, oui. Du coup, attends, ce que je... De vrai, je suis passé à la vidéo. Bah non, mais... Au moins, les gens vont vraiment voir que c'est pas genre du fait. Mais tu as cru. Bah, en vrai, j'y ai cru à 80% quand même. C'est faux, 90% même. Non, non, la vidéo est terminée. Le mec était là en mode, ah ouais. Dans les commentaires, est-ce que vous trouvez qu'il y a cru? En vrai... Ah, je suis trop contente. Eh, je suis trop contente, je l'ai tellement eu. Regarde-moi cette bague que ma maman m'a offert gentiment. On se retrouve, bah quand je fais le prank à ma maman. Pourquoi tu m'imites en fait? Tu es en train de dire que je suis grosse? Non. Pas les bails là. Ce serait un CSC légendaire. Allez, bisous. Mes petits Chocopop, est-ce que ce serait pas le moment de pranker ma maman une énième fois sur cette chaîne Choco? Elle va me tuer. Comment vous dire pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de me connaître juste avec cette vidéo, ou alors même qui n'ont pas forcément vu mes dernières vidéos, j'ai déjà pranké ma mère en lui faisant croire que j'étais enceinte. J'ai fait croire à ma mère qu'elle allait se faire arnaquer. Les éventuels frais pour fraude seront couverts par l'assurance. Donc ne vous inquiétez pas. Ce moment il était tellement drôle. Quand je suis rentrée chez moi, ma mère elle m'a dit c'est la dernière fois que tu me fais un prank, t'as compris? Et là je vais faire croire à ma mère que je vais me marier, que je vais épouser quelqu'un à 18 ans. En fait, il y a deux possibilités. Soit ma mère va me dire, mais tu te prends pour qui là? C'est qui? Comment il s'appelle? Son âge? Sa religion? Son origine? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il en est hors de question, tu es trop jeune. Ou alors, deuxième possibilité, elle me dit, yo, bravo ma fille, tu vas te marier, enfant, tu vas quitter la maison. Donc, deux possibilités là. Alors, déjà, premièrement, je vais lui faire voir que c'est un Marocain. Elle va trop kiffer. Si je lui dis, ouais, c'est un Marocain comme moi, et vu que moi aussi je suis marocaine, il vient pareil dans la même ville que moi, il vient d'Agadir. Le profil typique qu'elle va kiffer, il est YouTube. Comme moi, mais sauf que il continue aussi ses études, des études d'ingénieur. Mais vraiment, j'ai n'importe quoi. Et il a 19 ans, il a un an de plus que moi. Voilà, le profil que ma mère peut potentiellement aimer. Je l'appelle et je vais pas faire comme Kwasi m'a dit. Je vais travailler mon mensonge. Il est marocain, j'ai rencontré sa sœur, j'ai rencontré sa mère. Il s'est rien passé, mais il m'a demandé ma main. Ah, ok, je l'appelle. Je sais pas si elle va me croire. Là, il faut vraiment que je mente bien. J'ai trop peur. Ma mounette, j'appelle. Oh my god. Allô? Allô? Allô maman, ça va? Ça va et toi? Oui, je te dérange pas? Non, je t'écoute. Ok, t'es pas en haut-parleur? Non, je suis pas en haut-parleur. Ok, tu peux te mettre dans une pièce seule, s'il te plaît? Ouais,
Bon, d'accord, je vais me mettre dans une pièce seule. Je n'y suis plus, je t'écoute. Ok, je voulais te parler de quelque chose qui me tracasse. Ça fait maintenant 6 mois que ça me tracasse. Vraiment, ça me travaille. Enfin... Je me disais bien, t'avais quelque chose. C'était drôle. Ouais, je t'écoute, vas-y. Bah, en fait, ça fait 6 mois. On va dire que j'ai rencontré quelqu'un lors d'un événement YouTube. C'est un Marocain, tu vas aimer. Il vient aussi d'Agadir. Allô ? C'est à quoi ? Un Marocain. Et alors ? Et il vient aussi d'Agadir. Oui, ouais. Et alors ? Bah, ça se trouve que tu peux apprécier ce trait de sa personnalité. C'est pas cette personnalité, c'est son provenance, hein. C'est pas moi. Oui, bon, ça joue sur les mots. Bref. Qu'est-ce que tu veux m'annoncer ? Je t'écoute. Bah attends, je t'explique. Il a 19 ans et j'ai rencontré sa maman et sa sœur. Et vu qu'on veut faire les choses bien, il m'a demandé ma main. Ah oui ! Carrément ! Oui, il a demandé ma main et je voulais savoir ce que t'en pensais toi. Est-ce que tu veux le rencontrer? Comment là pour le moment? Qu'est-ce que t'en penses? Si il te demande ta main, bien sûr qu'il va me rencontrer. C'est évident. Toi, tu serais pas contre le fait que je me marie peut-être avec? Bah oui, c'est le mariage, bah c'est bien. Oh, t'es contente? Bah oui, pourquoi pas? Bien sûr. Mais crie voilà. Pas, bah, faut pas qu'il entende ça. Je vais d'abord te l'annoncer à toi. Bah c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Oh, bah voilà, je vais m'asseoir, ça va. Ah ouais? J'écoute qu'elle me dire, je ne sais pas trop quoi. Bah oui, bah c'est bien. Ah ouais? C'est une bonne nouvelle. Mais ouais. Ça me fait trop plaisir. Maman, je dois t'annoncer quelque chose. C'est un proc. Ah, bah c'est pas vrai. C'est dommage. C'était trop beau pour être vrai. Ah ouais? Non, je suis en train de filmer une vidéo. Écoutons que c'est des bonnes nouvelles, c'est bien. C'est pas grave. Ok, voilà, c'est un proc. Ok, bah c'est un proc. Mais en tout cas, merci. Dommage. Parce que maintenant, je sais, si un jour, genre, je veux me marier, bah tu seras pas du tout con. Tu seras en mode, ouais, vas-y. Faut bien te marier un jour, mon mec. Bah, j'ai quand même 18 ans, chill. Blah. Mais ok, oui, je pensais que t'allais péter un câble. Je sais pas pourquoi je pétais un câble. Un mariage fait partie des projets d'une jeune femme, d'une jeune fille. Donc, très bien. Ok, maman, vas-y, je te. Je te prends pas trop de temps. Bisous, à tout à l'heure, je rentre bientôt. Vous savez que je suis encore choquée. Genre là ma mère elle est ok. Si là demain je viens la voir, je lui dis maman c'est bon j'ai trouvé l'homme de ma vie, elle va être ok. Mais what? Vous savez que je suis trop contente. Elle y a cru. Non mais je pensais pas. Je pensais vraiment pas. Bon en tout cas mes chocobobs, ce prank, on va dire que je l'ai presque réussi. Mais en fait là faut que je me trouve l'homme de ma vie en fait. Là c'est le moment là. Bon en tout cas mes chocobobs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai trop rigolé. J'ai appris tellement de choses dans cette vidéo. Je suis passée par tellement d'émotions et tellement de rires. N'hésitez pas à me dire si vous me voyez être mariée un jour. Vous imaginez un jour genre je fais un vlog comme Pidi. J'ai un homme et des enfants. What the fuck? Bref, plein de bisous, c'était Choco, à bientôt, mercredi, dimanche, 14h15, bye. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à y la regarder, je vous fais des très gros bisous.